No mail today, maybe tomorrow. What's going on in the hood? Violent world. Thank you.
Thank you.
tous et à toutes et bienvenue pour cette dernière conférence E3 ici en direct de la Gaming House Team LDLC. Nous sommes en équipe réduite aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Kamak nous a abandonné, les terminales aussi, mais ce n'est pas grave puisqu'on a gardé les meilleurs. Et les meilleurs, qui c'est ? Eh bien, c'est Helsing. Bonjour Helsing, tu vas bien ? Très bien dormi, après la conférence Sony. On est sur un horaire à peu près correct, ça fait plaisir. Et nous sommes aussi avec K.O. Comment ça va, K.O. Bah pareil, j'ai dormi. On est en forme, hein, tout va bien, tout va bien. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez bien dormi, évidemment. Nous sommes à 7 minutes de la conférence Nintendo. Ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. On va dire bonjour au chat. C'est pas vraiment une conférence, mais ça marche. Oui, c'est une vidéo, quoi. C'est le Nintendo Direct de voilà. L'E3, quoi. Voilà, donc ça va être une vidéo. On va pas avoir de blabla finalement inutile de. On va avoir quoi ? Bonjour, c'est Nintendo, merci de jouer pour nous, machin et tout. Et puis après, on aura des annonces de jeux, etc., etc. Et en parlant d'annonces de jeux, je vais vous poser la question que je pose à chaque début de conférence. Qu'est-ce que vous attendez de la conférence Nintendo ? Déjà, si possible, ça serait cool des nouveautés. Des trucs qu'on n'a pas annoncés, qu'on n'attend pas. Qu'est-ce qui a été annoncé déjà ? Super Mario Odyssey. Qui a été annoncé et qu'on espère voir un peu de gameplay. Ouais, un peu il n'y a pas de gameplay ? Non. Pas vraiment, en fait, on ne sait pas trop. Il y avait des bouts de trucs. Voilà, des bouts de trucs, mais pas exactement. Le Fire Emblem Switch qui a été annoncé, mais lui, on n'a absolument rien dessus. Et le Xenoblade Chronicles 2. Ah, ça va, c'est des bons jeux alors pour l'instant qui ont été annoncés. Et qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à Nintendo là ? Un Pokémon ? Non. Non, je pense qu'ils ont fait le Nintendo Direct Pokémon. Ils ont fait le Pokémon Direct. Ouais. Ils ont annoncé Pokken. Ouais, c'est quoi ? C'est ça tout. C'est Pokken, c'est le jeu de Pokémon Tournament. Le jeu de baston. Un versus fighting. Voilà, c'est ça. De base, c'est une borne arcade au Japon. Mm. Il est sorti sur Wii U. Ouais. Et là, en fait, on a l'add-on avec des nouveaux Pokémon, des nouveaux combattants, tout ça. D'accord. Une nouvelle console demain et 2-3 nouveaux jeux. Nouvelle console. Non, elle vient de sortir. Ils viennent de sortir la Switch, ça m'étonnerait. Hein. Peut-être des accessoires pour Switch. Est-ce qu'ils pourraient pas annoncer. Non, ils en ont assez plein. Non, il y a déjà tout ce qu'il faut. Après, bon, faut pas oublier qu'il y a aussi la 3DS. Hein. Il y a que du jeu, donc là, à part Switch et 3D, des jeux, il y aura que des jeux. Ne cherchez pas, les gars, il y aura que des jeux. On espère beaucoup niveau Switch, mais faut pas oublier qu'il y a la 3DS qui a quand même un bon catalogue derrière aussi. Quoi. Et il y a déjà eu pas mal d'annonces sur le jeu. Une petite licence, genre, je sais pas moi, Donkey Kong, Kirby. Ouais. Ça déboîterait, tu vois. Donkey Kong, moi je serais d'accord. Donkey Kong Country. Un petit Donkey Kong Country, ouais, version Switch. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aussi à des. Pas des remasters, mais peut-être des vieux jeux Nintendo qui pourraient être sur Switch ou un catalogue. Ça a été annoncé quand va y avoir le pseudo mode online de la Switch qui va arriver, ou quand il y aura l'abonnement. On a le catalogue qui existe déjà sur 3DS et sur Wii U. Mm. Donc, pouvoir acheter les jeux SNES, etc. Et on sait que, je ne sais plus comment il s'appelle le shop, le catalogue spécial rétro Nintendo. Il va basculer sur Switch. Console, quoi. D'accord, bah nickel. Moi j'imagine un Monster Hunter peut-être, ils vont le dire, il sera sur Switch. Oui, je pense qu'ils vont annoncer la date du Double Cross Switch, qui a été annoncé au Japon, mais la date occidentale. Ouais. Il y a des chances. Ok. Et vous, chez vous, chers amis, qu'attendez-vous de Nintendo ? Je vois que pour la hype est présente pour Genjira. C'est vrai que c'est toujours cool. De toute façon, Nintendo, ils n'ont pas vraiment besoin de l'E3. Ils ont toujours leur pool de jeux qui ressortent à chaque fois. Le nouveau Zelda, le nouveau Mario, le nouveau Pokémon, un dérivé du Pokémon. Et puis, oui, il y a plein d'autres jeux, mais ça va avec. Voilà. Oui, façon, non, mais voilà, c'est un peu le. Voilà. On sait qu'on achète Nintendo pour du Nintendo. Oui, voilà, c'est ça, pas pour autre chose. Et puis voilà, il y a quand même eu l'annonce de Skyrim sur la Switch. Ouais. Vous allez pouvoir prendre vos manettes et faire comme ça pour tirer vos flèches. Moi, je trouve ça un petit peu incroyable. Voilà. T'annonces un mode VR sur Switch, Blue Dark Play. Non, je sais pas. C'est pas le genre de Nintendo. Complètement pas. Ouais, non, c'est vraiment pas leur genre de faire. De faire la VR, je les vois mal justement surfer sur ce genre de truc. Non. Ils ont déjà les Joy-Con qui sont des Wiimote améliorés. Ouais.
Je vois pas pourquoi il se mettra à la VR. Un remaster de Paperboy pour Pink Paradise. Ça serait rigolo. Ce serait rigolo. C'était le jeu où t'es en vélo et que tu balances les, ouais, les journaux, ça. C'était le jeu qui avait une hype, je sais pas trop pourquoi, parce que c'était finalement pas terrible. Bah en fait, c'est pareil, c'était un jeu arcade américain et où c'était faire des points. C'était super dur et finalement, on n'a jamais joué plus de 10 minutes à le jeu parce qu'on n'arrivait pas, parce qu'à chaque fois, on avait quelque chose qui nous... J'ai envie de dire, quels sont les jeux qu'on a réussi vraiment à finir quand on était gamin sur Nintendo? Ouais, non, c'est vrai. Quand on y pense. Sur toutes les consoles. Un Metroid, moi je serais d'accord. Un Metroid, ce serait vraiment... Il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs d'un Metroid, d'un retour de Metroid. Ce serait beau. Mais il y a plein de vieilles licences Nintendo qu'on aimerait bien revoir. F-Zero, pour ma part. Ouais. Qui est une licence magnifique. F-Zero, c'est le jeu de course. C'est le jeu de course futuriste et ce serait magnifique. Mais voilà, j'ai l'impression que depuis, là, c'était... Le dernier, il était sur Nintendo 60, non, GameCube. Mm-hmm. Ils ont un peu abandonné la licence, quoi. Ouais, c'est dommage. Après, c'est infini. Il peut y avoir plein de trucs. Un nouveau Smash Bros, pourquoi pas? Un nouveau Star Fox. Le portage de Smash Bros, ouais. Un portage ou un nouveau? Non, je dirais plus un nouveau. Ouais, un portage serait moyen. Pour une console comme la Switch, je pense qu'il faudrait lancer le nouveau. Ouais. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être pas mal. En plus, le créateur de Smash Bros disait être totalement intéressé par la Switch pour faire un Smash Bros. Ouais, non, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal, hein. Et puis ça se prête bien. Hein. Donc il y a déjà un nouveau Mario Kart, un Megaman aussi, pourquoi pas. Pikmin, ce serait cool. Pikmin a été annoncé, Pikmin 4. Ah ouais? Ah oui. Oui, il a été annoncé, hein. On l'attend. Il devrait être sur Switch, normalement, je crois. Non, Switch. Oddworld, ouais, Oddworld, je pense pas. Oddworld, ce serait plus sur Sony s'il était annoncé. C'est ça, Odyssey d'Abe, déjà, il y a eu le remastered de Odyssey d'Abe il n'y a pas si longtemps, quoi, il y a un an et demi, deux ans. Mm. Je ne les vois pas arriver sur... peut-être le remastered sur Switch, mais... Non, Pokémon exclusif, non, ils ont déjà annoncé, comme on a dit tout à l'heure, un jeu de baston Pokémon. Pokémon Tournament DX. On va attendre un petit peu, ils vont attendre que la Switch soit un petit peu en perte de vitesse pour sortir un Pokémon pour la rebooster, je pense. Un bon retour d'un bon Pokémon Stadium. Ah, ça, c'était sympa comme jeu. Avec la possibilité de mettre les Pokémon de la Pokémon Bank sur Pokémon Stadium et jouer. Ah, ça serait cool. Ça serait effectivement cool. Un Star Fox, ce serait cool, ouais. Un Star Fox, ce serait cool. Alors, ça finit quand le 3? Bah, c'est la dernière conférence, là. Enfin, conférence, c'est après, pas conférence. Après, c'est l'ouverture du salon à la presse et attention, aux personnes de Los Angeles. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Attention, c'est parti pour Nintendo. Peggy 12. Leur vidéo E3. J'allais dire, ouah, c'est joli. Là, c'est ARMS. Hein. Ça, c'est ARMS, ouais. Ouais, qui sort fin de semaine. Ouais. Qui arrive ici vendredi. Ah, voilà, faut vraiment qu'on trouve une carte d'acquis. Hein. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, KO présent a ouvert sur le Discord un channel Nintendo Switch. Oui, pour les fans que nous sommes. Pour les fans et seulement les fans. Ah, Rocket League sur Switch. Pourquoi pas? Pourquoi pas Rocket League sur Switch? Ça peut être cool. De toute façon, Rocket League, c'est cool. C'est ça. Et s'il joue sur le cross-platform PC, etc. Ah, le jeu Dragon Ball, je crois. C'est Pokémon Tournament DX. Oh, putain. Ah, j'ai eu une explosion. Je crois que ça va être bien comme jeu, ça. Alors, c'est très simpliste. Ouais. C'est le truc qu'on a vu, ouais. C'est au niveau technique, etc. Ah. Il a été vite abandonné sur Wii U. Hein. J'ai essayé de le faire monter un peu au niveau e-sport, au niveau France. On s'est lamentablement ramassé. Donc FIFA sur, FIFA sur Switch, ça a été annoncé, ouais. Ouais, ça a été annoncé, effectivement. J'en avais entendu parler. Splatoon 2. Le Splatoon 2. Donc Nintendo qui semble vouloir pousser l'e-sport, un peu l'e-sport. Hein, éventuellement sur ARMS, Splatoon. Splatoon, c'est déjà fait, d'ailleurs. Je pense qu'ils vont tenter officiellement avec Pokémon Tournament DX. Hein. Si c'est du côté de Nintendo, ça peut mieux fonctionner c'est nous. Non, mais c'est sûr, il y aura Pokémon, il y aura ARMS et il y aura Splatoon. Après, il y aura peut-être d'autres choses à venir, mais c'est sûr qu'il y aura... Splatoon, il paraît que c'était vraiment bien. Ouais. C'est vraiment bien, hein. Tu te tapes vraiment des bonnes barres et quand tu joues avec des équipes... Rocket League, ça ne savais pas, tu vois. Mais c'est vrai, je sais même pas s'il y avait une annonce de Rocket League. Non, mais c'est bien. C'est cool.
game is fun. The game is a battle. If it's not fun, why bother? If it's not a battle, where's the fun? It's a test that you pass or a quest that you fail. A race against time. J'ai l'impression que derrière, c'est l'application mobile online qui va bientôt sortir. Ah, ils vont peut-être parler. Non, c'est le menu Switch en fait. Ils vont peut-être parler de leur aussi, de leur online et tout. Peut-être. Ils sont censés le sortir en même temps que Splatoon 2 d'ailleurs. Il va être payant. Non, il a retiré. L'application mobile ouais. Ah non, pas l'application. Non, je parle de l'application mobile. Normalement, le online est censé sortir l'année prochaine. Voilà. Il est gratuit toute l'année. Mais l'application mobile sortira en même temps que Splatoon 2. But in the end, it's not just where you can take your game. Where your game can take you. So wow. Alors moi, une vue comme ça, c'est Xenoblade 2 Chronicle. Hein. Enfin, Xenoblade Chronicle 2. Nuage Simulator. Voilà, Monolith Soft. Peut-être augmenter un peu le son du retour vidéo. Ouais. Donc ça, c'est un JRPG. C'est ça, c'est un action JRPG. Action JRPG, d'accord. They called that paradise Elysium. C'est joli. Ouais. Oui. Le premier était sorti sur Wii. Et ils ont fait un remastered un peu crade sur 3DS. Ça, c'est du footage in-game. Ça sera comme ça. Can you take me to Elysium? Quand je dis ça, c'est parce que j'ai... Ah, je sais pas. De quoi? Si, c'est censé être le in-game. Ouais. Enfin, le moteur in-game. I'll take you there myself. Je suis triste, c'est un action. J'aime bien les tours par tour, moi. Ah bah non, tour par tour. Oula. Confond avec Xenoblade Chronicle X, ouais. Qui est action. Un bon tour par tour, quoi. We'll show you what me and Pyra are made of. Take. Now that you have come this far, there can be no turning back. You and that sword can't be! I'm guessing your goal is Elysium. Donc il serait que deux? Non, ils vont rencontrer d'autres personnes. He calls Pyra. Her flames hide something deeper. What's the matter? Are you the Aegis or aren't you? I won't use that power, and I won't let you. Voilà, là, il y a plus de quoi quitter. If you know what you desire, you will have to show it. Not with words, but with your own strength. Everyone, let's go. Ok, cool. Ouais, cool. Ouais. Cool. Hiver 2017. Ah, donc pour Noël, allez, il y a... Ouais, ils avaient annoncé 2017, mais pareil, on n'a toujours pas vraiment de date. Sometimes you need a hero. Ah non, merde. Putain, j'ai cru que c'était South Park annoncé sur Switch. C'est le truc qui me ferait plaisir, moi. Ah, ce serait cool, hein. Donc ça tournerait bien. Kirby? Ah, oui. J'avais tellement raison, putain. Oh, bordel. Trop bon, un Kirby sur Switch. Ah, c'est de la bombe. Un vrai retour de Kirby, là. Ah, ça a l'air d'être... Si c'est le même développeur qui a fait les nouveaux Donkey Kong, ça peut... Ouais, en plus, à plusieurs. Oh, à 4. Ça va déboîter. Insta-bye. C'est toujours cool, Kirby. Là, vous savez pas, mais je suis en train de le préco. Ah ouais, à 4 joueurs, ça peut être vraiment sympathique. Ah, hein. C'est du curling. Ta-da. Ta-da-da-da-da-da-da-da.
Ouais, en plus, il y a des petits puzzles qui pour la coop. Ah, jouable en coop et tout. Ah. On va se faire masse stream. Wes P. Woods. Ouais, ça risque. Il risque d'avoir des après-midi Switch. Hein. Ah, c'est même sûr, en fait. Just Kirby. 2018. Kirby. Pas de nom, Kirby. Voilà. Très bien. Minasan, konnichiwa. Nintendo no Takahashi desu. Nintendo Switch の旅はいかがでしょうか。持ち出せる家庭用据え置き型ゲーム機 Nintendo Switch はおかげさまで世界中のゲームファンの皆様から温かく迎えていただきほっとしました。Nintendo Switch が提案している新しいプレイスタイル、持ち出し、持ち寄り、お裾分けは私たちが期待していた以上に自由な発想でいろんな場所で遊んでいただいているようです。この夏は任天堂スイッチの対戦ゲームが続々と登場しますので、いつでも、どこでも、誰とでも、皆さんご一緒にホットな対戦をお楽しみください。うん、さて、この後も任天堂スイッチの新しいゲームをご紹介していきますが、その前にこちらの方からお知らせがありますのでご覧ください。ポケモン、What? こんにちは。株式会社ポケモンの石川です。先週、任天堂スイッチ発売のポケモン大会。ポケントーナメントデラックス。C'est juste pour faire du bullshit ポケントーナメント。ポケントーナメントデラックスはポケモンの対戦アクション。Ouais, non, c'est juste du bullshit。ジョイコンを分け合ってすぐに。Mais non, c'est juste pour faire la compétition et tout. Nintendo Switch 1台で気軽に迫力満点のポケモンバトルが楽しめます。新たなポケモンなど新要素が追加され、はい、まさに新作はこれから始まる一緒に3ジョイコンで実際に遊ぶことができます。さらにもう一つお伝えすることがあります。実は任天堂スイッチで始めています。お届けできるのは来年以降になると思いますが楽しみに。あ、tu m'étonnes qu'il nous enthousiasme déjà quoi。それでは今日から3日。ça y est, vous pouvez acheter. Après, si c'est même si c'est comme je disais un Pokémon team Pokémon Colosseum sur GameCube, ça me va aussi. Non, il dit RPG. Il dit RPG Pokémon. Ouais, ben. Ça sera Pokémon. Donne Pokémon. Pokémon Colosseum était une sorte de RPG. Hein. Ah ouais. Tantimi desu ne. Tu pouvais pas prendre des Pokémon n'importe où. 2017年に発売を予定しているゲームを中心にご紹介していますが、任天堂でもスイッチならではのエンターテイメントをいろいろ開発していますのでぜひご期待ください。それでは引き続き任天堂スイッチのゲームソフトの旅をお楽しみください。c'était cool le Pokémon. Petite annonce qui passe comme ça, hop, on va faire un petit RPG. Bah c'est le truc quand même qu'on voulait entendre. Ouais. On voulait un R. Oh, Metroid 4 ? Voilà. Hey. C'est le logo de Samus derrière ? Hey. Putain ! Comment revendre des millions d'exemplaires de Switch ? Oh bordel, oh. Metroid Prime 4 ! Ça c'est cool. En cours de développement. Voilà, non mais ça va être la... Mais c'est juste des teasers, mais des teasers qui te hype. Ouais. C'est bon, il arrive. C'est parce qu'en fait, l'avantage qu'on a, enfin qu'il y a Nintendo par rapport aux autres éditeurs, c'est qu'on sait qu'il va y avoir un minimum de qualité. Et on peut déjà se hyper sur ce genre de jeu parce qu'on sait que ça sera de toute façon de bonne qualité et de bonne facture. Hmm. Ah, un petit Yoshi. Yoshi. Yoshi Woolly, pas Woolly. Un Yoshi. Mélangé avec du Paper Mario. C'est un système à la Yoshi Island. Donc ça va être un jeu pour les speedrunners. Après celui sur Wii U était vraiment très bon. Ah, Yoshi Woolly's War, il était vachement bien. Hein. Là le level design a l'air d'être assez classique mais... C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, regarde qu'il fonctionne, tu vois, jeu, tu peux passer... Ouais, en fait, c'est un mélange de Yoshi Island avec du Paper Mario 3D, là.
où tu passais d'une phase à une autre. Ils ont l'air de forcer le trait sur le fait de finir le jeu comme, enfin, finir les mondes comme vous voulez. Oui, est-ce qu'il y aura plusieurs façons de le faire ? Après, non, c'est du Nintendo, donc généralement ils gèrent leur truc. Hein. Cool. Juste Yoshi. Et voilà. Ils relancent tout. La Switch, c'est... On relance tout. Yoshi, Kirby, Pokémon... Alors, Koei Tecmo, qui est généralement les Dynasty Warriors, qui ont fait aussi le Zelda... Moi, tu me balances un truc comme ça me fait un peu penser à... Le Dynasty Warriors. La protection d'un dragon sacré. Ça sent plutôt le RPG. Fire Emblem, c'est le Fire Emblem Dynasty Warrior. Celui-là avait déjà été annoncé. Ouais, Marc, c'est bon. Fire Emblem. Voilà, les images sont issues de la version de Switch. Hein. Il sera aussi sur New 3DS. Donc celui-ci, on attendait des plus de vues. Mais on savait qu'il était annoncé. Un peu de gameplay, quoi. Non, par contre, il n'y a plus de sous. Oui, c'est ça. Mais après, c'est ceux aussi qui ont fait Hyrule Warrior, le Dynasty Warrior Zelda, qui est très bon. Moi, je l'ai pas trop aimé. Ah, moi j'ai bien apprécié le truc. Voilà, Fire Emblem Warriors. Ouais, bon, on voit toujours pas de gameplay. Hein. Ouais, ouais, moi je suis juste... Non, c'est dommage. Le Fire Emblem, j'achète pas le Warriors. Ouais. Nintendo, je pense que ça, ça va être le DLC de The Legend of Zelda qui va sortir cet été. Bethesda-san's showcase event de Skyrim no Nintendo Switch 版 ni Zelda no item ga tsuika sareru koto ga hapyou saremashita. Oui, on n'a pas vu sa tête, à mon avis, il est moche. Tiens, je... regarde. Oui, il est trop cher. Voilà, les passes d'extension, donc le Season Pass de Zelda Breath of the Wild. Ah, mais il faut qu'il annonce. Fini, hein. Donc, qui est censé apporter des nouveaux puzzles, un mode hard. Voilà, les épreuves de l'épée. Bon, ça c'est le côté un peu chiant, mais bon, faut quand même qu'il montre qu'il y a du... Il y a du contenu qui arrive. Il y a du contenu qui arrive pour Zelda, quoi. Oui, alors que c'est... moi, personnellement, j'ai pas fini le jeu. Comme si on avait pas assez, déjà. Tu vois, c'est comme on disait avec Kao, on joue au jeu et on se dit, bon, faut qu'on le finisse, et résultat, oh, faut qu'on aille là-bas, il y a un truc qui m'intéresse, et résultat... Mode empreinte. Ah oui, ça c'est voir tous les endroits où tu es parti. Ah, pour éviter de... oui. Voilà, de retourner sur tes pas. C'est bien, ça. Des masques. Des kogourous en plus. Voilà, le mode expert. C'est quoi, c'est le mode expert ? C'est le nouveau mode de difficulté du jeu, en fait. Ça me donne envie d'y jouer. Il est tellement bien. Il est tellement bien, ce jeu. Les épreuves légendaires, voilà. Passe d'extension DLC. C'est quand même bien. On se dit que Zelda, ça continue. Quoi ça ? Zelda. Voilà, c'est Zelda aussi. C'est juste une petite musique. Ah ! Des nouveaux personnages qu'on peut rencontrer. Ah non. Non, je pense que c'est les personnages que tu rencontres déjà. Je les ai pas encore vus, donc je peux pas dire. Et le chat, me spoilez pas, s'il vous plaît.
Mais bon, ce petit thème de Zelda à l'accordéon, ça passe bien quand même. En fait, je pense que c'est les quatre... Ouais, les quatre ouais. dont on parle au début. Ah, l'Odoprotige DLC 2. Ah donc ouais. C'est un petit avant-goût du DLC 2. D'accord. 19,99€. Ce qui est pas cher. Ce qui est pas cher. Pour un season pass, c'est pas cher. Généralement, c'est 25€, 30€. Season pass, on c'est pour le pack 1. Donc 40€ pour les deux. Attends, il reste une annonce. Ah non, donc non, c'est... Amiibo に登場します。あ、とキャミボ。ゾーラ族の英傑ミファ。ああ、ça c'est des boîtes. ブロン族の英傑。ouais, c'est vrai qu'elles sont jolies. Bah, les Amiibo sont vraiment d'une très bonne qualité. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais. Les premières étaient moyennes, mais ils sont vraiment améliorés. これら4人の英傑のアミーボは、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで使うことができます。もちろん、先ほどご紹介した追加コンテンツでも活躍しますので、ぜひご期待ください。This changes the game. Travel the world. Bring people together. Play anywhere with anyone. If video gaming is a journey, then anywhere has to include a stop right here in LA during E3. This donc, is cool, Magic Week. Non, c'est les images de l'année dernière. C'est le Treehouse qui vont ouvrir en fait. You've heard about suddenly spring into life. Donc à Los Angeles, ils ont pas de conf. A new kind of heated competition ignites. Right on Nintendo Switch. Ah. It kicks off later voilà, today. Le Splatoon 2 World Inkling Invitational. Inkling Invitational, which brings teams from the Americas, Europe, Australia, New Zealand, and Japan to see whose colorful skills are the best. Tomorrow, hashtag the Pokken Invitational will be held. You might recognize some of our 8 competitors who'll be duking it out in heated battles. Later on Wednesday, we'll see 8 players throw punches in the fun and competitive game ARMS, which launches later this week. 4 of our players will be pros, and the other 4 will be E3 attendees who rise to the top by battling on the show floor. If you're going to E3, we hope you'll accept the challenge. Avec la petite musique and no matter derrière, where you are, be sure to catch up with Nintendo Treehouse Live at E3. For all the details and news about Nintendo Switch, and Nintendo 3DS. But now, there are a few more worlds left to visit on our journey. Allez, donc before Gakong, we land in the booth. Non, non, let's je pense go. Mario. Oui, là, ça avait l'air d'un... Donc ouais, le Mario Rabbids qu'on a vu à la conf... Ubisoft is proud to announce his new Rabbids game. Ouais, ça c'est normal qu'ils leur balancent pour dire à ceux qui n'ont pas vu Ubisoft, voilà. Exclusively for the Nintendo Switch. The Rabbids' crazy personalities and unpredictable behavior will shine as they arrive in. D'ailleurs, j'ai regardé sur le store Ubi une édition collector assez cool à juste 95€. They will surprise you in this tactical. Bah, c'est les prix d'un collector quoi. Ouais, sachant que Ubisoft, si t'as des points sur leur, tu sais, les points Ubi là en jouant au jeu, tu peux avoir moins 20%. Waouh. Wow. Ah, les autres font pas ça. Hein. We can't wait for you to play the game. On August 29th. Il arrive assez vite, hein. C'est dans un mois. Ouais, deux mois et demi. Parce que fin août. Ouais, fin août. Donc plutôt cool. What? Ah, Rocket League. D'accord. J'arrivais pas à reconnaître c'était quoi le truc au fond là. Est-ce qu'il sera cross-platform? C'est le truc à savoir. Parce que s'il n'est pas cross-platform, c'est pas intéressant. S'il l'est, non, il faut qu'il le soit. C'est génial. Parce que je sais qu'ils sont encore en train de se battre avec Microsoft. Multiplateforme. Hein. C'est bon. Non, c'est bon, je multiplateforme. Et des skins exclusifs. Ouais. We know that both the Rocket League and Switch communities have wanted it, and now we're going to release it. Complete with cross-network support that lets you play against opponents on other platforms. Mais là, c'est un manette pro obligatoire. Ouais. Ouais. Plus exclusives like local wireless multiplayer, Mario and Luigi hats for customizing your car, and new exclusive cards we'll talk about. Par contre, voilà les gars, vous pouvez jouer à Rocket League dans un parc. C'est ça, avec vos potes. Et ça, c'est plutôt cool. Pas besoin du PC. Ah. C'est joli, ça. Qu'est-ce que c'est?
King Kong. Il y a des chances. Ah non, Dino. Un Monster Hunter? Non. Non, un Dino comme ça, c'est pas Monster Hunter. Ouais, c'est trop classique. Avec une casquette. Ah, c'est Super Mario Odyssey. C'est la casquette de Mario. Il va déboîter, cherchez pas. Ah, excellent. Avec une nouvelle mécanique de chapeau. Le Mario Oldies. What the fuck? Avec, disons, premier, moult mondes différents, aux ambiances différentes. Ah, on peut se mettre dans la perso des... Ah ouais! Pas mal! Ça, c'est cool, hein. C'est... Franchement, à chaque fois qu'il y a un nouveau Mario, ils réinventent un truc, quoi. Ouais. Moi, je m'en étais arrêté au Mario sur Wii. Hein. Enfin, en fait, le dernier vrai Mario, c'est celui sur Wii. Après, on tournait sur du classique, quoi. C'était le Galaxy. Ouais, c'est ça. Qui était génial. Ouais, c'est cool. C'est cool. Super Mario Odyssey. Ah, date de sortie. Voilà, la date 27/10, bah tout pour Noël. 27 octobre. Tout pour Noël. Achetez-la maintenant, il n'y en aura plus. Ça sert déjà plus. Voilà, et j'ai l'impression que c'est terminé. Oui, pas de mot de au revoir. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Bah ouais, hein, cool. Nintendo win. Cool. Finish him. Non, cool, hein. Là, s'il y avait eu le Donkey. Ouais, peut-être. C'était parfait. Parfait. J'aurais bien voulu quand même en voir un peu plus sur Metroid. Ouais. Oui, ça c'est. C'est sûr. Ça je pense que pour tous les gens, on aurait voulu en voir un peu plus. Rien à vous montrer. Hein. Ah oui, clairement, oui. Mais voilà, Pokémon RPG sur Switch, Kirby sur Switch. Ils l'ont dit. Ça, c'est moi, c'est ce que j'attendais le plus. Metroid Pokémon, Prime 4 sur Switch. Et tout sur Switch. Voilà. Là, ils ont montré que du gameplay Switch, alors qu'il y a, il y a le Fire Emblem Warriors qui va sortir aussi sur Nintendo 3DS. Oui, bien sûr. Mais franchement, ouais. Non, c'était plutôt cool. C'est ce qu'on attendait de Nintendo. Voilà. 25 minutes, nickel. Nickel, avec un peu de blabla histoire d'eux. Ils vont faire de l'e-sport aussi. Ouais. Voilà, bon, oui, enfin. Ils vont essayer avec ARMS, avec Rocket League. Bah, avec, ils sont déjà en partenariat avec ESL depuis l'année dernière pour Splatoon. Et Splatoon, ouais, voilà, c'est le jeu. Et là, le truc avec la Switch, ils veulent vraiment se lancer dedans. Donc, il y a moyen. Il y a moyen de faire. Non, mais c'est cool. C'était une bonne petite conférence. Si tout le monde pouvait être comme ça, ce serait pas mal. Après, j'aimerais bien en voir plus quand même, encore une fois, pour Metroid, en voir un peu plus pour les jeux, etc., les avoir un peu en main. Mais les annonces sont cool et ça va, c'est bien. La Switch commence bien, à valoir non, le parce coup. Que ce qu'il fallait aussi, c'était prouver aux gens que la Switch... Il y a un catalogue. Il y allait avoir un catalogue et ça va, à terme, dans longtemps, remplacer la 3DS. Quoi. Yes. Parce que pour l'instant, les possesseurs des deux consoles, comme moi, se trimballent avec les deux comme des cons. C'est ça. Voilà. On est, Donc t'as une console portable, mais t'en as deux en fait. Parce que voilà, t'as pas de Pokémon sur Switch, t'as pas de ceci, cela. Bon, et en plus, avec l'annonce de Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune et tout, bon, ça faisait un peu peur. Tu disais, ah putain, quand même, j'aurais bien vu un Ultra Soleil, Ultra Lune sur 3DS et Switch, tu vois, pour faire genre, c'est la transition et après, mais là, bon, ils vont sortir Ils vont sortir 3DS, un Pokémon. Qui n'est ouais. pas vraiment un nouveau Pokémon, hein, qui est la suite. Ouais, voilà, comme Noir et Blanc 2. Et donc, mais ils disent, voilà.
On vous a sorti ça, c'est parce que cette année, bon, bah, en novembre, enfin, en septembre, c'est en octobre ou en novembre que ça sort généralement. Il va falloir en sortir un, on en sort un, mais novembre dans un an, voilà. Il sera sur Switch, donc achetez la Switch. Pour l'instant, ils ont juste dit, on ne pourra pas vous le montrer avant un an. Non, mais c'est bah, un an, c'est ça. Et après, on, ça va dépendre du développement, mais. À mon avis, ça sera le prochain, je ne cherche pas. De quoi ? Pour Metroid ? Non, pour Pokémon Switch. Ah oui, dans ce mais sera, je pense que l'année prochaine. On aura du gameplay Metroid Prime 4, on aura du gameplay oui, ça, c'est sûr. Pokémon c'est Switch, bien. On aura ce qu'on attend, quoi. Je l'espère, en tout cas. Du coup, la Switch commence à être une console qui est intéressante à acheter. Voilà, une vraie console Nintendo avec plein de licences Nintendo. Voilà. Là, maintenant, ça y est, achetez si la, vous hésitiez, parce que, vous pouvez l'acheter. Déjà, avant que vous en trouviez une, voilà. c'est vrai. Et si vous attendez, vous pouvez ou économiser dès maintenant, parce que ce Noël, c'est double rupture. Elle est à combien, là, la Switch, actuellement ? Étant donné qu'elle a été tombée, elle est tombée en rupture de stock, maintenant, tout le monde la vend à 330. Avant, à sa sortie, à part micro, tout le monde vendait à 300. Et vu qu'elle est tombée très vite en rupture, tout, pognon, on vous la vend à 330. C'est cher. C'est quand même cher. Ouais. C'est cher parce que. Oui, ça reste une console portable. 300, ça va. 330, tu te dis pourquoi 30 ? Bah, parce que. Il va te falloir une paire. Tu vas vouloir jouer avec tes potes, il te faut une paire de Joy-Con. La manette Pro. La manette Pro, elle. Ça fait mal au cul. Elle a combien ? 70. 69 ou 79 ? Moi, je l'ai payé 70 sur. Voilà. Je sais plus. Enfin, voilà, ça fait cher. Ouais, donc c'est cher, quoi. Si tu veux un dock supplémentaire, c'est 100 euros. Oui. Ouais, il n'est pas encore sorti. Ils l'ont annoncé, mais il n'est pas encore sorti. Voilà, il va te falloir de quoi protéger l'écran. Ouais, ça te revient 1000 boules, quoi. Si tu veux vraiment un truc complet, t'en as pour 700, 800 compte 500. Boules. Compte 500. Un bon t'achètes, 500. Parce qu'il va te falloir des jeux avec. Ça, c'est juste la console. La console n'a pas de jeu. Donc, tu vas vouloir Zelda. Obligé, tu vas pas jouer, tu vas pas avoir une Switch et pas avoir Zelda. Et on en profite du coup pour dire que vous aurez ici à la Gaming House pas mal de streams de Switch parce que une fois qu'on aura une bonne carte d'acquisition, on a déjà la Switch ici, hein, moi je la vois à l'addition, on la voit. Une autre carte d'acquisition, etc. On sera des petits streams canap tranquillement l'après-midi avec des bonnes games de Switch. Avec les nouveaux jeux et tout, puisque Maître Chaos ici présent, forcément, préco quasiment tous les jeux qui sont bien sur la Switch, et on les reçoit le jour J, évidemment. Donc, J-1 des fois. J-1 cool. Même des fois, ouais. Oui, donc, ça m'arrive aussi. Donc, voilà, en plus des streams PC, vous aurez des streams de Switch, parce que bah, c'est toujours sympa de passer, en plus c'est l'été bientôt, tout ça, voilà, c'est toujours sympa d'être bien l'après-midi. Parce que tu pars pas en vacances. Il part pas en vacances, regardez le pauvre. Ah, ça va être compliqué, je pars peut-être en vacances en août, mais une semaine, pas plus, quoi. Pas plus, et encore, c'est pas sûr. Mais d'un côté, il n'y a pas que des streams PC, hein. Moi, j'ai déjà fait du stream Switch sur LDLC. Ah oui, tout à fait. Le petit jeu Kamiko, qui est très court, mais pas très cher, à peine 5 euros. Si vous aimez bon. les jeux un petit peu différents... Et voir un petit peu du contenu différent. Et regarder Helsing le samedi soir. Voilà. À faire votre promo. À partir de 20h, c'est ça ? 21h. Oui, Sauf ce samedi-là. Sauf ce samedi-là. La semaine prochaine. Ouais, anniversaire. Malheureusement, je suis pas là. Oh la déception ! Oh là là, je suis déçu. Voilà, on est déçus. On est tous déçus. Ah, oh, mais je serai là normalement jeudi, juste avant toi. Et si j'y ai de la chance, j'aurai peut-être Arms. Et je ferai du Arms. Ah, du Arms. Ça, c'est bon. T'as Arms jeudi, tu veux dire ? Ouais. Ouais, c'est possible. Il y a des chances que je le reçoive jeudi, donc je le ferai jeudi dans l'après-midi si je l'ai. Très bien. Ben, c'était l'E3. Bah, j'espère que ça vous a plu, ouais, cette long E3 finalement, mais qui se termine sur une. Sur une bonne note. Ouais, une petite note rafraîchissante et sympathique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que tout le dispositif qui a été mis en place pour cette E3 2017 vous a fait plaisir. Et que vous serez avec nous l'année prochaine, car on risque de voir le live Nintendo l'année prochaine, hein, évidemment.
Bah ouais. Donc du gameplay de Mario. Pas, en fait. Tiens, un peu de. On voyait pas. Vas-y, remets, un peu de gameplay de Mario. Nous on le voyait pas en fait parce que nous on n'avait pas le. Ouais. Le pendant la Full House de Nintendo, ils vont montrer normalement du gameplay des jeux présentés. Oui oui. Three, donc normalement aussi peut-être de Kirby. Ouais. Donc voilà. Bon bref, on se quitte ici. On se quitte là. Ouais. C'est bon, on se quitte là. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment sympa. On vous laisse ça un petit peu, voilà. Et voilà, on a pris du plaisir à passer le 3 avec vous. Ça a été parfois un peu fatigant, parfois un peu long l'attente, etc. avec les décalages horaires. Oui. Mais on sera très certainement là l'année prochaine. Je ne sais pas sous quelles conditions. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux de nous avoir suivis. Vous avez vraiment été nombreux. Vous avez vraiment été cool et ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Ça veut dire que ça vous a plu, en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis de toute façon à très bientôt, soit sur Tibble DLC, soit sur nos chaînes personnelles, évidemment. Allez, ciao. So, you know, we put it in the stage, we like combine it with different art assets, like kind of like real things to see what it might actually look like or work in game, and then try playing it. So, 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 And then, you know, obviously out of that, like different things come up, like, oh, maybe we could do this a little bit differently, maybe this could actually work like this instead, and then we kind of add that to it, and the process just continues from there. なんで先ほどちょっと出たあのタクシーなんかをジャンプさせるのもあのスーパーマリオサンシャインでもちょっと似たような仕様があったのでそういうところからちょっとヒントを得ています。 And so you know you saw before you know we were able to jump on top of the taxi and that's something that was sort of in Super Mario Sunshine at times so in that way we're also getting hints from past games. Can I quickly interject that as I mentioned, the goal right now is to recruit these musicians. When I was first playing this game for a feedback report for the development team, I could not figure out how to get to this guy on the top of this building. You can just barely see him. He's a speck right now in that triangular building. And the way I eventually found to do it was to take a really long fall. I did that too. And that worked. I feel bad for his knees. A bit to my surprise. And I wanted to know, you know, when you saw that report from me, you know, what was that a problem to be solved? Was that a cool thing? What was that? はい、この前はあの、NCRの報告書を書いていた時に、あ、こういう風にあのトランペットのバンドマンの音を到着できますよと書いてましたが、それ見てちょっと困っていたんでしょうか。はい、あの、それは読んだんですけれども、あの、読んだんですけれども、今日ここでプレイするとは思わなかったです。Yeah, I did read that. I didn't know you were going to be playing that right now. Troublemaker. Well, I also know the real way. Or another way. But you know, you found your own way to play it, and like you know, letting users you know play around with the game and find their own ways of doing things. That's something that you know goes way back in 3D Mario, you know, in Super Mario 64 and Super Mario Sunshine as well. So this is actually one of the two kingdoms that's going to be playable on the show floor. The show floor, of course, isn't open yet, so we don't have folks playing the game at this moment, but I'm really looking forward to talking to folks after they've played it, because I think there's so many different ways to problem solve and find moons in these kingdoms. I'm not even sure if folks will find everything over the course of the show, but it's going to be interesting to find out how different people approached completing some of these objectives. But the game encourages so much experimentation because you aren't kicked out of the level every time you find a moon. There is no reason not to investigate every little thing you can see that might be interesting. There's no time limit. There's no disincentive. There's lots and lots of cool stuff. Whoa! Okay. Yeah, that is a very interesting change that adds, I think, to the immersion in the kingdoms. When you think about Super Mario 64, Super Mario Sunshine, whenever you got your, so whatever the collectible objective was, depending on the game you were playing, you'd get bumped out of the area and you'd have to come back in. But here, since you're not going to get booted out of the kingdom when you collect a power moon, there's a lot of encouragement to just go check out that weird thing you saw on the horizon because you can still continue with whatever your primary objective is. But then, you know, keep on tracking and finding moons. Another reason to explore everything is that there's very little punishment for dying. I just lost 10 coins, and you know, there's lots. So, and I get to try again right away. Oh, good luck. It's
It's also worth mentioning that the Bullet Bills here are coming out with visors on, so they cannot be captured until you knock their hats off, because an enemy with a hat is the scariest thing in this game. Fashion is very important in this game. You gotta be conscious of your headwear. Oh, careful. Ah! Oh, no! Well, apparently this is not my day for this challenge. That's right, third time's a charm, right? Yeah. And if at first you don't succeed, give up on the third attempt. I'm just looking at the space where we saw other sections of New Dog City, and looking here, I'm just so impressed with the texture work that's been done. And I feel like every time I see a new build of this game, more and more of these textures are just jumping out at me. It's really fun to see in person. It is a gorgeous game, and we have some other segments later on in the stream that are going to highlight some especially pretty areas. Oh, you got this. Yeah. And, while I'm keeping my fingers and toes crossed, yes. Thank you. One thing that we haven't mentioned yet that we probably should talk a little bit about is the fact that you're playing with Joy-Con with the wrist straps attached. Yes. And that's a really fantastic way to play this game. It, of course, supports Pro Controller and other controller options, but you can do so much with the motion controls, and throwing Cappy feels very intuitive. Yeah. I'm going to switch to a different section of the game where I show the Sand World, which is also playable on the show floor. So give me just a moment here. Oh, no worries. But I do love that as you're experimenting, and I think we'll see folks doing that on the show floor here, so many of your gestures will affect how Cappy moves, that while you're holding the Joy-Con with the wrist straps attached, you really want to just try moving your arms in different directions. Like, okay, I'm going to try throwing up, I'm going to throw down, throw out. But I was really impressed by how well that implementation was put into play. Here we are. Yeah. Oh, this place is so pretty. So here we're in the Sand Kingdom, in the town of Tostarena. And they have a problem now because it's all frozen. Everything is cold for reasons, of course, that Mario will eventually solve. Yeah, actually, if you hang still for a second, we can show his little idle animation when he's cold. Oh, yeah, it's yeah. Really cute. Oh, he's cold. I love the locals here, too. Yeah, I think he's distracted by the local dancing around, but I think if he's by himself, then he really shivers. Oh, poor Mario. Yeah. So let's see here. One thing I did want to show off is... So as we mentioned, there's two kinds of coins in this game. And I believe the first time in the mainline Mario series, you can actually buy things with your coins. And I wanted to ask the developers how that came up, you know, that currency should be worth currency. なんでコインで買い物できるようにしたいと思ったんでしょうか。はい。今回はコインを本当にお金として扱おうと思いました。So we wanted, you know, coins to be used as coins in this game, actually use them as money. 外国に行った時にその国のお金ってすごいなんか印象に残ってないですか。And you know, I think you'll agree, you know, if you go to, you know, a foreign land, one of the things that makes the biggest impression on you is the currency. これ使えるのとか思ったりしないですか。You know, you kind of look at it and you think, wait, is this real? Can I use this? 今回はマリオもいろんな国を旅しますので、その国のコインというものを用意しています。And since, you know, Mario was going around to all these different kingdoms in this game, we wanted to make sure that there was a currency for each one. 要素はコレクトするコインの要素になっていますので、集めたものでコスチュームを変えたり、お土産を買うことができます。And, you know, they're a collectible item, so you can use them to buy different outfits or buy souvenirs. Speaking of... Yeah, and it's always fun to buy souvenirs, right? Yeah, absolutely. Absolutely. And speaking of shopping, we are now in Crazy Cap. So there's two kinds of coins, as we mentioned. The purple ones are unique to the local kingdom. The yellow ones can be used in any shop. I'm going to buy, because the guy at the door said, I'm not living up to their dress code, maybe I should buy some clothes to fit in better. I'm going to buy a local sombrero and poncho. And wait till you see how adorable Mario looks. Being adorable, I just love the shopkeeper. Yeah, and their huge stack of hats. It's so cute. And you can see some of the souvenirs you can buy there that you can use to decorate the inside of the ship. Nice. And now I'm rocking this look. And let's go try that door again. So my capabilities are the same. You know, I still have, it's still Cappy, even though he's turned into a different kind of hat now. He can turn into any kind of headwear, apparently. Exotic superpower. And, all right. So I go over and talk to this guy. Let's see if you meet the expectations now. Ooh,
snappy and lively. Snappy and lively. I think the hat is the one and the poncho is the other. All right. And this is, of course, what the goal I was working toward all this time. I love all these little moments of surprise where you never really know what's going to happen when you Why did I want to get in this room? I don't know. I wanted to get in this room so I could play a guitar. You want to get in because it's locked. Yeah, exactly. So then we're going to move on to some more traditional 3D Mario gameplay over this direction. Now that you are terribly well-dressed, it's time to go do some exploring. Yeah. And Bowser's footprints, I must be on the right track. So notice that by using the motion controls, I can actually use the little homing function on the hat more easily. It is possible with the button controls only, but it's much more difficult. All right, the classic Goomba. Yeah. And let's just do a big one for that. And yeah. And that's, I guess, something folks are probably noticing here. So you're not capturing those Goomba. It's not every single enemy that's capturable. That's true. You've got to find the special ones. Yeah. And a lot of it's having a good eye and just experimenting a lot with the cap. I think they're a shade bigger, the ones you can capture, but I'm not positive about that. Nice. So bullet bills, of course, are useful because you can fly with them. And now I've got to very quickly capture my ride back. And with bullet bills, you can only capture them for a limited amount of time because at some point they're just going to blow up. Yeah. So you have to be a little mindful of what you're doing. Yeah, you only get so much time with the explosive guys. All right. And then almost to one of my favorite bits in this level. Oh, yeah, the next bit you're coming up to just blew my mind the first time I saw it. So this place has these murals that look like they're decorated in this cool old school aesthetic, and I'm just going to go right on in. And I've still got my costume. So Koizumi Sanamonokura-san, I think we definitely need to hear a little bit more background about why you added this into the game, because it's so cool, but it's so unexpected as well, I think. なんでこのような 2D の 8-bit マリオのところも入れたいと思ったんでしょうか? 3D の部分は気持ちよく探索できるように比較的大らかに作っています。So we wanted to make something that would be, you know, sort of a contrast with the 3D stages that you're able to explore very freely in. 2D の部分はもう少し細かく緊張感のある構成になっています。You know, the 2D spaces are kind of more confined, they're more precise, you know, it's more like kind of, you know, sort of traditional platforming elements. 同じステージの中でもそういった違った遊びっていうのを入れたかったです。And, but also within the 2D stages, as you can see, we wanted to have a lot of different variety. もちろんこう昔からのゲームが好きな人にも楽しんでもらえるビジュアルになっていると思います。And of course, you know, with the visuals, we're hoping it's something, you know, the people who enjoyed kind of those classic nostalgic games also get a kick out of as well. Yeah. So one thing I'd love to show off when we're getting out to toward the end of this space is just how much the music changes when we're transitioning back and forth. Because I know we've been chatting, maybe it's hard for some folks to hear what's been going on here, but if we just pop in and out of that warp pipe, it's a pretty impressive transition when the music changes. But there's no warp pipe up here. Just start jump off. No, but you can now see that it's more of a naturalistic instrument. So I'm going to skip ahead and show off the last part of this scenario. Okay, so for that, I will need these. Wrist straps, people. Always wrist straps. Yes. I'll set to jump in. Okay. Yeah, it's worth mentioning, too, that we're only covering a tiny bit of what is in this kingdom. There's so much more to do and explore. There's just a ridiculous amount. All right, so here we are. This is much later in the level. I've still got my snappy outfit, though. And watch these bullet bills transition out of the 2D. And then I'm going to use one to break open this wall. So another thing that's really handy about the bullet bills as a capture target that you'll see here, when you're trying to target for really precision flying, it's got a little bit of a headlamp. I'm doomed. That's okay. But it's got a little bit of a headlamp, so you can kind of use see that to line pointing. yourself up. It's super handy.
that's okay because we get to see this cute little 2D to 3D transitioning. I love that. It's so cool. All right. All right, you got this. Yeah. All right, here we go. And with the bullet bills, you can also give yourself little speed bursts as well. Shaking the Joy-Con will let you go a little bit further. So it's worth experimenting once you get a feel for the timing of how long a bullet bill will last. It's kind of like driving a car that doesn't have any brake pedal. You can go faster, you can steer, but that's all you can do. And all right, so up here we're about to confront one of the Brutals. And folks may have seen them in our original teaser trailer for this game. They are an evil wedding planning firm, and I'd love to hear more from the developers about how they came to be and what your favorite Brutal is. Bridals という団体がこの結婚を企画しているグループらしいですけど、一番気に入りのブライダルズは誰かいますか？そうですね。彼らはクッパに雇われてクッパの結婚式を成功させようとしています。 So they've, you know, as you kind of said, they've been employed by Bowser. They're in charge of making sure his wedding goes off without a hitch. And they're very serious about their work. Respect that. Their work ethic is admirable. なので、真ん中にいるちょっと背の低い同じような帽子をかぶったようなキャラクターがいるんですけれども、それがリーダーなので僕はそのトッパーというキャラクターがお気に入りです。 And you know, my favorite is Topper, the kind of shorter one who has that green top hat. Yeah, on. Guy in green. Yeah. Yeah, Topper. How about you, Koizumi-san? Do you have a favorite? Koizumi-san もなんか クリーンのキャラ。あ、そうですね。ちょうど今出てるのハリエットっていうその可愛いウサギさんのキャラクターなんですけど、なんか可愛い変わりしてるのに結構凶暴なんでその。 This is really good timing because the character I like the most is the one you're fighting right now, Harriet. She has this great contrast between her cute appearance and like how devilish she is. She's sort of like the tricky little sister of the group here. Her attacks are really fun to watch as well, especially when she starts flying around. And it's worth mentioning, you fight each of the Brutals a few times, but their tactics get more and more intense and dangerous. But I'll be honest, having planned a wedding last year, I would take the help of evil wedding planner. Yeah, I mean, any evil help is better than no help. And they're very dedicated to their work. And they're willing to fight your enemies for you, and that's pretty great. Oh, nice. There we go. Nicely done. Thank you. Oh, sorry. Sorry, Harriet. Now she'll be back. All right, so that's a grand moon worth 3 power moons. And there we see Cappy in his natural state as well. Yep, there he is, celebrating with Mario. Nice. All right, so that's what we have for gameplay for right now. But we did have one more little feature, I believe. Yes, we've got some new goodies that have turned up here on stage with us. So these are the amiibo for the game. We've got Princess Peach, Bowser, and Mario in their wedding outfits. And I just need to ask you guys about the development process for these, because the detail of the sculpting is incredible. It must have been a very interesting process getting these to the state they're in here. このアミーボはすごい細かい作り方になっているようですので、それについてちょっと説明していただけますか。はい、ヒロインであるピーチ姫をより可愛く魅力的に作っています。So first of all, you know, we've got our heroine Peach, and we wanted to make sure that she just looked, you know, absolutely stunning. あとクッパとマリオもそのお相手であることに十分なビジュアルとしてデザインしています。 And you know, then from there, you know, we have Mario and Bowser as well, and we had to make sure that, you know, in terms of visuals, they weren't going to lose out. They got to keep up. And you know, another characteristic of these is that the posing is very kind of directly linked with the story and, you know, what's going to be happening in the game. Yeah, Mario's got kind of a humble bow thing going, and Bowser's kind of looking like, I own the world!
And I think Bowser looks pretty dapper here, though. Yeah. But it is really amazing. The I don't know how close we can get the camera here. We got a better look here. But in person, the texture, where some of them have almost like a pearlized kind of texture, and there's a lot of subtlety with the different kinds of fabric, you can really see a lot of nuance for these amiibo. I'm really looking forward to people seeing them in person. Yeah, they're gorgeous. And I wonder, at this point, is there anything you'd like to share about the functionality of Amiibo for our viewers? そして、アミーボの機能性について何か説明していただけますか？ですね、アミーボは、コスチュームを手に入れることができたり、あとは、ゲームの中でのお助け機能として、活用することができます。So you'll be able to use the Amiibo to get different costumes within the game, and then they'll also have kind of an assist function.And we do have existing Amiibo that are supported as well. I think we'll be talking more about that at a later point. Mm-hmm. But I think that's all we're allowed to show for right now, unfortunately. Right now. We'll be showing more of this game later on in the stream, of course. But Morikura-san and Koizumi-san, thank you again so much for joining us here and sharing some of the insight about the development process of the game. Thank you very much. Thank you. And folks who are watching, thank you so much for joining us. We're going to be back in a few seconds here with our next segment, so please don't go anywhere. Here we go.
Thank you.